Good morning, allez, Iden et Tutsu, aujourd'hui le Munishmat, Mourabi, Mouel Ben Shlomo Zalman, Shlomo Yamil Ben Mazal, ainsi que les Refouat Asara, Bat Petit Rivka, Refouat Zalman Ben Chayam Alia, Myriam, Bat Rassida, Edov Ben Yudit, Bedor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de 2 Mishnah connectée à 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechat Cholin, Perek Bet Mishnah Yud, Ashochet, Leshem Ola, Leshem Zvachim, Leshem Hasham Talouy, Leshem Pesach, Leshem Toda, Shchitato, Psula, Rabbi Shimon Bar Shiyo, Shnei Morzim Bet Sakin, ושוחטים אחד לשם אחד מלו ואחד לשם דבר כשר שחטתו פסולה השוחט לשם חטאת לשם אשם תלוי לשם בכור לשם מעשר לשם תמורה שחיטתו קשורה וכשרה זה הכלל כל דבר שנידר ונידב השוחט לשמו אסור ושאינו נידר ונידב השוחט לשמו כשר On parle dans notre Mishnah, ça ressemble un petit peu au Mishnah précédent dans la mesure où on égorge en guise de Cette fois-ci, avec une petite nuance, on va expliquer. On parle de quelqu'un qui a un animal profane, il a son petit mouton, il a envie de le manger. Et au moment où il égorge, il nous dit « J'égorge pour m'acquitter de mon devoir d'apporter un corban shlamim, d'apporter un corban hola, j'égorge mon corban pessah, ou bien, d'accord, ou mon hacham talouy, ou mon matoda, on va les expliquer chacun après l'autre. » Ou encore même, comme c'est écrit dans la Seifa aussi, le Shem Khatat, le Shem Hasham Vadaï, toutes les sortes de korbanot. Bon, Shem, on a fait des Zvachim, on connaît tous ces korbanot. De toute façon, de bons juifs, bien sûr, ils font les korbanot le matin, donc ils font les Zvachim, mais quand même, là-bas, ils découvrent tous ces noms de korbanot. D'accord? Et donc, il faut bien préciser, lorsqu'il égorge, il n'est pas en train de sanctifier l'animal. Mais il est en train de dire que, puisque j'ai un devoir d'apporter un korban Shlamim, je m'acquitte de mon devoir par là. Mais il n'est pas en train de rendre l'animal kadosh. Il n'est pas en train de dire que ce corban est en train de devenir une hola. Ouais, une holocauste. Non. J'ai un devoir d'apporter une holocauste. Je suis en train d'égorger mon animal. Eh bien, je vais m'acquitter de mon devoir. C'est ça ce que ça signifie, égorger l'animal l'échem hola. Il n'est pas en train de le rendre hola, il est en train de l'égorger en guise de hola. D'accord? La grande différence essentielle, elle est que selon la Torah, si je n'ai pas sanctifié mon corban, il n'est pas corban. D'accord ? Si j'égorge, à quoi ça ressemble ? J'égorge mon petit mouton en pensant que j'égorge mon voisin. C'est alors quoi ? La chrita, elle est censée être kshera. Je vais pas égorger. Si j'égorge mon voisin, c'est pas kachère. Mais si j'égorge mon mouton, c'est kachère. Alors j'égorge le mouton, je suis tellement fâché contre mon voisin, je me dis que je lui tranche la tête. Et alors, c'est pas grave. Donc en théorie, selon ce principe, quand tu prends un animal choulin et tu l'égorges parce que j'ai un devoir d'apporter une ola et tu lui fais la chrita, il n'y a aucun problème, en théorie. C'est vrai. Il n'y a aucun problème, et c'est pour ça que la suite de la Mishnah va nous dire qu'il n'y a aucun problème. Mais, malgré tout, il y a un problème midérabanan. Que celui qui va te voir égorger l'animal en guise de hola, il va se dire, ah, c'est que cet animal, il est kadosh. Et que tu es en train de l'égorger, en train de transgresser l'interdit de shrut et chutz. L'égorger un animal à l'extérieur du Beth Amikdash. Comme un animal kadosh, un animal saint, à l'extérieur du Beth Amikdash. Et, en théorie, ça devrait être interdit à la consommation. Et si on va lui permettre de manger cet animal, les gens ils vont se dire, tu sais, quand tu égorges un corban à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est kasher. Voilà ce que l'erreur que les gens vont pouvoir faire. Pour ne pas en arriver là, Ramim on dit, toute chose que tu peux en faire cadeau au Beth Amikdash, c'est-à-dire qui n'est pas une obligation, c'est la différence qu'il va y avoir entre le premier groupe des corbanotes et le deuxième groupe des corbanotes de la Mishnah. Toute chose que tu peux en faire un don, une offrande, une donation, un don, au Beth Amikdash, comme une hola, un shlamim. Si je veux, demain, je peux apporter un korban hola, je sanctifie une hola. Alors dans ce cas-là, quand tu vas égorger l'animal en guise de hola, eh bien, il y aura un interdit, on va interdire de consommer la viande, comme on a expliqué, de peur que les gens vont se tromper et vont croire que ton animal il est réellement hola et qu'il est permis la consommation, parce que lorsqu'on égorgerait un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, alors la viande serait permise. Donc c'est une grave erreur, pour ne pas faire cette erreur, on fait un décret d'interdire. Mais si toutefois j'égorge mon animal en guise de khatat, ça veut dire quoi? Si je ne suis pas, je ne fais pas un khatat quand je veux, alors on ne va pas maintenant soupçonner que peut-être j'étais réellement khayav d'un korban khatat. D'accord? On va maintenant découvrir tout ça à l'intérieur de la Mishnah, avec, on va expliquer vite fait les noms des korbanot quand même. Pour ceux qui ont commencé Khoulin, je vois dans le Dimat, ça a augmenté un petit peu plus depuis qu'on a repris Khoulin. Apparemment, il y en a qui viennent de. Il y a des gens qui viennent de s'associer, de se joindre à nous dans les cours, donc c'est déjà qui découvrent aussi les korbanot. Ashochat l'échem hola, celui qui égorge un corban en guise de hola. Hola, c'est un corban qu'on décide, qu'on peut offrir quand on veut,
même si on n'a pas fait de faute ni rien, et on l'offre entièrement à Hachem, c'est pour ça que ça s'appelle Ola, qu'elle monte entièrement. Elle est entièrement, tous les membres sont coupés et posés sur le misbar pour être brûlés. Les Shem Zvachim, en guise de sacrifice, en réalité, les commentateurs, tout ce que je m'explique, c'est en guise de Shlamim, un corban qu'on peut décider d'en faire offrande au Benamigdash, et qui sera consommé par le propriétaire, les Kohanim et une part pour le Misbéar, c'est partagé en trois. Ou encore l'Echem Hacham Taloui. Le Hacham Taloui, c'est un corban qu'on verra qu'on fera Massad Kritout, mais en fait, on en parlera longuement. C'est un corban que l'on offre quand on transgresse une Avera, sur laquelle on est passible de Karet, Bemézid. Lorsqu'on transgresse Beshogeg, alors il faut apporter un corban Khatat, comme ce qu'on a évoqué dans le sud de la Mishnah. Lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé un interdit aussi grave? Alors, on a la possibilité d'apporter un korban Hacham Taloui qui va nous permettre de suspendre la faute. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans une avéra, il est passible d'une punition du ciel, même lorsqu'il est shogeg. Alors, pour éviter d'être éprouvé, il a la possibilité d'apporter un korban Hacham Taloui, ça veut dire un korban Hacham en suspens. Peut-être oui, peut-être non. Par exemple, le cas, il est quoi? Il y a une graisse interdite. Relève, une graisse permise, Schumann. Il y avait deux morceaux qui étaient posés sur la table, et j'ai voulu me faire mon sandwich, j'ai pris un bout. Je ne sais plus lequel j'ai pris, et l'autre, pendant ce temps, il est déjà parti à la poubelle. J'ai un doute, est-ce que j'ai mangé le Hacham ou le Schumann. La graisse interdite, la graisse permise. Dans ce cas-là, on doit porter un corban. Donc, si je sais certainement que j'ai mangé la graisse interdite, je dois porter un corban Khatat, c'est une grave erreur, on est passible de carrette sur ça. Et si j'ai un doute que c'est ce que j'ai transgressé, j'ai la possibilité d'apporter un korban Hacham Taloui. Or, l'Hacham Taloui, la Mishnah va selon Rabbi Eliezer qui dit que tu peux apporter autant d'Hacham Taloui que tu veux tous les deux jours. Si tu veux, tu peux rapporter un Hacham Taloui sur un doute que tu as, puisque c'est quelque chose que tu peux offrir. Donc, lorsque tu vas égorger ton animal en guise de Hacham Taloui, alors il y aura l'interdit qu'on évoque dans la Mishnah. L'Hacham Pessah, c'est en guise de korban Pessah. Maintenant, même si le korban Pessah, c'est une obligation que l'on offre que le 14 Nissan, c'est vrai, mais on a déjà appris que le korban Pessah, durant toute l'année, alors, si on l'apporte au Beth Amikdash, il a un statut de shlamim. Et shlamim, c'est quelque chose qu'on peut offrir. De ce fait, si tu le fais en guise de Pessah, alors on va dire qu'en réalité, c'était un korban Pessah qui a passé sa date, par exemple, et que maintenant tu vas offrir en guise de shlamim. Ou que tu as sanctifié, par rapport à ce principe. L'Echem Toda, korban Toda, c'est de nouveau le même principe que le shlamim, avec une petite différence, c'est qu'il faut apporter 40 pains, comme ce qu'on évoquait longuement dans Menachot, 10 pains, et Matzah, Hametz, Rikikin, et tout ça. Donc dans tous ces cas-là, pour toutes ces choses-là que tu as fait en guise de Shritato Psula, là, l'abattage, la Shrita que tu as fait, sera invalidée. Elle ne permettra pas la viande, on ne pourra pas manger la viande. Maintenant, elle explique ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'oral, depuis la première, depuis le Dibor Matril, les chèvres là, que Aroé Omer Archavu Magdish Veshochata, celui qui va te voir en train d'égorger en guise de ton devoir de Ola, en guise de ta Ola de Shlamim, de Khatat, celui qui va te voir va se dire qu'en ce moment tu es en train de sanctifier l'animal et de l'égorger. Et si c'est ça, alors si tu as réellement sanctifié l'animal, alors l'animal est interdit de la consommation. De ce fait, on interdit Midarabanan. Rabbi Shimon Marchir, Rabbi Shimon permet, c'est une règle que Rabbi Shimon est là dans certains cas de figure où on décrète pas à cause de Maritain, d'accord? Comme ça le Bartanoï rapporte. De l'Ochaïch le Maritain, c'est le Bartanoï, et tout ce que vous il explique plus un peu plus longuement, mais on ne va pas trop allonger sur ça. On continue. Un autre cas encore qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. Ayou, Shnaï Mochazin Masakin, deux personnes qui attrapaient le couteau ensemble, qui faisaient la Shrita. Et ils égorgent ensemble. Echad l'Echem, Echad Mikol Elou, Echad l'Echem Davar Kacher. L'un égorge avec, en guise de s'acquitter de son devoir d'apporter une shlamim Ola, et l'autre en guise de rien du tout, d'un animal profane, d'accord, pour son biftek du midi. Eh bien, la Mishnah enseigne que Shritato Psula. Sa Shrita, elle est malgré tout invalidée parce que l'intention de l'un suffit pour influencer l'autre, pour interdire le corban. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah maintenant, c'est avec une liste de korbanot que l'on est imposé d'apporter. Et puisqu'on est imposé d'apporter, donc tu ne peux pas en faire un don. Donc si tu égorges les Shem Khatat, les Shem Hacham, comme ce qu'on va voir tout de suite, eh bien, on ne va pas soupçonner que tu décides finalement de l'offrir au Beth Amikdash parce que tu n'as pas la capacité, tu n'as pas le droit de que ça ne marche pas de sanctifier un Khatat pour rien. Achochet les Shem Khatat,
Celui qui égorge en guise de khatat. Donc khatat, on a dit, lorsqu'on transgresse une avéra sur laquelle on est passible de karet, lorsqu'on est bémézide, avec intention, eh bien, lorsqu'on transgresse sans faire exprès, on doit apporter un korban shabim, en l'occurrence, la trêve de Shabbat. D'accord ? Celui qui a transgressé Shabbat, en oubliant, il a son chiffon de la table. L'exemple que j'aime rapporter, comme ça les gens ils le réalisent. Il avait son chiffon sec, il l'a mouillé pour ensuite essuyer, et ensuite il a rasé son chiffon. Il y a là-bas énormément d'interdits de socrète, de mélabène, plus d'interdits de laver un linge en Shabbat, par exemple. Il ne savait pas que c'était interdit, maintenant il apprend que c'est interdit, et bien, il devra apporter un korban khatat. D'accord ? Ou encore, donc ça c'est le korban khatat en général. Lui, en l'occurrence, il a son animal qui va égorger, et il va l'égorger pour s'acquitter de son devoir de khatat. Ou encore, l'échem hacham vadaï. En guise de hacham vadaï, un korban hacham. C'est une autre forme d'expiation qu'on apporte spécifiquement sur trois fautes. C'est-à-dire dans le korban des hachamot, dans la Mishnah de Zéon et Koman, qu'on lit le matin dans la Tfila. Alors là-bas, on en évoque 6, mais là-bas, il y a le hacham taloui, c'est le hacham suspendu. Il y a par ça deux hachams qui sont des dons, qui sont en fait des obligations pour le nazir et pour le metzora. Donc il nous en reste trois qui sont hacham meilot, hacham xélot, hacham shifrach, enfin trois types de averot, spécialement que la Torah l'a donné une expiation particulière, un korban hacham, c'est pas comme un khatat. Les dons du sang sur le misbéar sont différents. Le khatat, si vous vous souvenez, monte sur la rampe du misbéar et en haut on pose du sang sur les quatre coins du misbéar. Pour le hacham, on asperge le sang en bas du misbéar. Deux qui font quatre. Ou encore, il y a écrit Hacham Vadaï pour exclure le Hacham Taloui. Hacham Vadaï, c'est-à-dire Hacham sûr, et Hacham Taloui, c'est-à-dire Hacham suspendu. Parce que tu ne sais pas ce que tu as transgressé. À la différence du Vadaï, que c'est sûr que tu as transgressé une avéra. L'Hacham Bechor, en guise de Bechor, mitzvah de tout nouveau, toute ouverture de matrice d'animal, de mouton, de chèvre ou de vache, eh bien, le premier né, et ça s'appelle un Bechor. D'accord ? Même pour les animaux, il nous aide de l'apporter en korban et en jamais de le donner au kohanim. Les shema aser, le dixième de ta nouvelle production annuelle. Tous les nouveaux, si tu as eu 10 moutons qui sont destinés, eh bien tu dois les compter et le dixième, il sera kadosh. C'est les shema aser. Ou encore les shem tmura, en guise de tmura, c'est-à-dire tmura, c'est encore. Alors là, il y a une masechet entière sur tmura. Très rapidement, je vous explique le principe. C'est lorsque tu as un animal qui est déjà kadosh, c'est déjà un korban. Et tu décides de transférer la gdusha de ce korban sur un autre animal. C'est assourd de faire ça lorsque l'animal, le premier animal, il peut être offert en korban. Tant qu'il n'a pas eu de défaut, eh bien, lui, la gdusha qu'il a ne va pas le quitter, et l'autre, il va devenir kadosh. Et en plus de ça, donc les deux sont devenus kadosh, finalement, on n'aura pas réussi à transférer la gdusha, on aura juste collé la gdusha à l'autre aussi, et en plus de ça, on aura même transgressé un interdit de tmura. D'accord ? En tout cas, l'autre, donc il aurait eu la main dans son animal, il va faire la shrita, il égorge en guise d'apporter la tmura qu'il nous dit qu'en fait qu'il avait promis d'apporter une tmura. Et maintenant, il est en train de le faire. Pour toutes ces choses-là, shrita tokshira, sa shrita sera validée. Malgré tout, selon le principe, zéaklal, telle est la règle. Kol davar shenidar venidav, pour tout nom de korban que tu peux décider d'en faire un neder, un vœu, ou Nidav, en faire une donation, un don au Beit Hamikdash. Tu peux décider de le faire. Alors dans ce cas-là, Ashochet Lishmo Asur, celui qui va égorger en guise de ce nom de Korban, sera alors sa Shrita sera défendue, comme ce qu'on a expliqué, parce qu'on va soupçonner que peut-être qu'il a eu l'intention de sanctifier l'animal avant de l'égorger. Tandis que Vesheno Nidav Venidav, un Korban que tu ne... un nom de Korban, que tu ne peux pas décider d'en faire un don. Tu as porté qu'en certaines circonstances, uniquement, si toutefois, Bartholomew apporte même aussi un autre exemple de Olat Yoledet, une femme qui a accouché, elle doit apporter aussi un korban, ou toutes sortes encore de korbanot, mais que tu es imposé par l'événement, eh bien, à Shochet Lishmo, celui qui égorgera l'animal au nom de cette sorte de korban, alors kasher, à Shochet Lishmo, kasher, l'animal sera cachère parce qu'on ne va pas soupçonner que tu en as fait un don, puisque tu n'as pas la capacité d'en faire un don si tu n'as pas été concerné par la circonstance. Et donc la shrita sera validée. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une mishnah un petit peu dure, un peu compliquée à expliquer. Mais on a fini maintenant les attachements de Perek Bet. Perek Shlishi, retroussez les manches. On va commencer l'anatomie sur les animaux. Je n'ai aucune idée comment est-ce qu'on va réussir à faire ça ensemble. Aval Bez Ratachem. On va s'en sortir. On verra toutes sortes de tréfautes qui seront interdites, mais en Hachem,
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslach HaKol Tov. Salam.